Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel d'une maison sur l'eau, voilà, sur Minecraft, et parce qu'elle m'avait été demandée en commentaire en fait. Oui, parce que je regarde vos commentaires, regardez même d'ailleurs sous cette vidéo là, et je mettrai toujours une petite phrase pour demander vos avis sur les prochains tutoriels que vous voulez voir. Et en fait, cette map sur laquelle je suis là, c'est pas n'importe quelle map, je vous dis juste 3 mots de seconde. C'est la map de notre du serveur sur lequel on a fait notre map avec les abonnés. Et on était même ici à l'ancien spawn. Alors voilà, pour le coup, c'est la map sans aucune construction en fait dessus. Je vais vous montrer un peu ce que ça a donné depuis, peut-être avec un voilà, une petite vue différente. Et voilà ce que ça donne d'ailleurs, la map, une fois sur le serveur. On reconnaît un petit peu le bout de l'île ici, avec, bon voilà, vous voyez, tout le monde qui se ramène. Et donc voilà en quoi ça ressemble sur le serveur. Voilà, juste pour donner une idée, vous pouvez retrouver l'IP du serveur dans la description et venir avec nous directement me troller à coups de canne à pêche comme ils font certains. Voilà, allez, sur ce, je reprends le tuto tout de suite, sinon ça va pas le faire. Voilà, sur la map solo, là où il n'y a pas encore toutes les constructions du serveur. Bref, du coup, on va réaliser cette maison-là en tutoriel. Voilà, maison moderne en forme de vague. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une maison sur l'eau, comme ils avaient dit dans les commentaires. Voilà, une maison en forme de vague sur l'eau, je trouvais ça thématique. Voilà, je vous fais un petit peu le tour, du coup, de la chose. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une plateforme avec une forme générale de maison, et on va faire ça tout de suite. La plateforme là-bas est exactement la même que j'ai fait ici, et elle fait 15 blocs de large, ok, sur 25 blocs de longueur. Il s'agit de boîtes bouleaux, ok, donc ici, là, on est sur la largeur qui fait 15 blocs de large sur 25 blocs de longueur. Pour finir avec cette plateforme-là, en fait, il va falloir faire deux choses, c'est-à-dire faire un petit... une petite partie pour pouvoir monter dessus, c'est-à-dire qu'on va utiliser les demi-blocs de bois de bouleau. Voilà, je trouvais plus le mot déjà alors que je viens de le dire. Et on va venir ici sur le côté de notre plateforme et compter 1, 2, 3, 4 par exemple blocs, et on va laisser 4 blocs de chaque côté en mettant une longueur comme ça de demi-blocs sur toute la longueur, en laissant voilà 4 blocs de chaque côté, et on va mettre comme ça une longueur de 3 blocs de bois, de demi-blocs de bois. Par exemple, vous voyez, lorsqu'on est dans l'eau, on ne peut pas remonter directement sur un bloc comme ça en sautant dessus, alors qu'on peut remonter sur des demi-blocs. Boum. Donc c'est pour ça qu'il nous faut une petite marche, entre guillemets, qui nous permette de monter sur la plateforme. Ok. Une fois qu'on a ça, on va utiliser les barrières de bois. Ok. Et on va entourer notre plateforme. Hop, avec, pour éviter de tomber dans l'eau, ce qui serait pas mal. Et en plus, ça rajoute un petit peu de décoration, ce qui est pas mal. Voilà, on en fait tout le tour jusqu'à l'autre côté. Hop. Et on va aussi renforcer notre plateforme pour qu'elle paraisse un petit peu réaliste, entre guillemets, avec des escaliers. C'est-à-dire qu'on va venir comme ça, prendre des escaliers de boîte de sapin, par exemple, et les utiliser à l'envers en dessous de notre plateforme. Et c'est là que ça peut être un peu chiant, parce que faire des constructions sous l'eau, c'est pas top. Mais en gros, voilà, glou glou déjà, et on peut... Alors maintenant, on va mettre des escaliers comme ça qui vont être à l'envers, vous voyez, sous la plateforme, pour pouvoir faire le flotteur, en fait. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir mettre une couche... Casse-toi, Roger ! Alors, pour ceux qui sont les vieux de la vieille... de la chaîne, vous rencontrez, enfin vous devriez vous rappeler du coup que le nom des poulpes que j'ai donné sur Minecraft, tous les poulpes ils s'appellent Roger. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit ça d'ailleurs, tiens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se rappelaient de ça? Juste voir dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est un truc, c'est juste pour ma, c'est juste pour voir, pour moi. Ceux qui se rappelaient du fait que j'appelais les poulpes Roger, mettez ça dans les commentaires, j'aimerais bien voir, vérifier un truc. Hop. Voilà, donc on en met tout du long, hein. Hop. Voilà. Et en gros, ça va nous faire notre petit flotteur. Voilà. Et du coup, pour faire la maison, il va nous falloir avoir la forme de la maison. Parce que regardez, il s'agit en fait d'une maison qui a une forme, voilà, toute simple, enfin,
enfin, bon, qui a une forme comme ça de profil, et qui en fait se prolonge comme ça sur toute la longueur après. Donc finalement, il suffit d'avoir la forme de profil de la maison, pour une fois et de la prolonger pour avoir la maison, tout simplement, la structure de la maison. Et donc c'est ce que je vous ai représenté ici. Alors pour pouvoir refaire cette forme-là de maison, on va prendre notre coin ici, là, de notre flotteur, notre socle, et on va compter 1, 2, 3 blocs sur le côté, et 1, 2, 3, 4 blocs sur la profondeur, ok? À partir de 3 blocs de hauteur, on met notre premier bloc, un bloc de béton blanc, voilà, moi j'ai utilisé ça, on peut utiliser autre chose bien sûr, comme de la neige, du quartz, tout ce que tu veux, et du coup, à partir de ce bloc-là, j'en ai mis un au-dessus, ok, c'est là où il va falloir être attentif, ok, donc à partir de celui-là, un au-dessus, deux à côté, un ici, deux ici, on a quatre au-dessus comme ça, ok, en dessous on en a trois, ici on en a deux, en dessous on en a deux, après on a une espèce de grand carré comme ça qui fait 7 blocs, si je dis pas de bêtises, ouais, 7 blocs de hauteur, comme ça, sur 4 blocs de large, mais celui-là, il est en béton gris foncé, ou gris clair, ok? Et bah, du coup, voilà, on a une forme de U. On reprend du coup le béton blanc à la même hauteur que ce qu'on l'avait laissé de l'autre côté de notre porte en gris, et on fait un socle de 2, un autre socle de 2, un autre socle de 2, et un autre socle de 2, tout en escalier, comme ça, voilà, sur 4 blocs, enfin sur 4 étages, tout simplement. Et voilà ce qu'on obtient du coup avec notre... notre forme de maison qui est comme ça. Alors cette forme de maison là, on va la prolonger sur 9 blocs de hauteur, de longueur pardon. Donc voilà, pour l'instant on a juste une seule tranche et on va la prolonger sur 9 blocs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord. Et donc voilà, à partir de là on bouche toute la surface de la maison, enfin comme ça on prolonge tout simplement la forme qu'on a là, vous voyez, sur tous ces 9 blocs de longueur là. Voilà ce que ça donne, hein. Et on va juste reprendre les blocs de béton gris pour faire une couche supplémentaire à notre porte à ce niveau là. Vous voyez, on va rajouter, hop, une couche ici, et pareil de l'autre côté, on va rajouter un niveau supplémentaire, hop, youp, voilà. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va continuer avec nos blocs de béton gris et on va venir sur le côté ici, voilà, de la maison pour faire les murs, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va venir à ce niveau-là, ok, et on va venir baisser les murs tout jusqu'au sol, on va les faire prolonger sur toute la longueur de la maison en laissant juste un bloc comme ça de chaque côté. Voilà, donc on fait un mur comme ça et on va venir faire prolonger ce mur comme ça sur 2, 3, 4... 4 blocs de large comme ça, ok, et on va donc le faire monter tout jusqu'au plafond, hop, ici comme ça, vous voyez, très bien, on fait la même chose de l'autre côté, pouf pouf pouf, hop, et on va venir enlever du coup maintenant des blocs de béton gris, parce que là du coup on en a ajouté, et ici en fait on sera à l'intérieur de la maison, et il faut qu'on puisse passer d'un endroit à un autre de la maison, donc du coup on ouvre ici, vous voyez, tout l'intérieur, donc on suit, hop, les blocs de mur ici comme ça, et on est bon. Donc voilà, là on a un passage pour circuler à l'intérieur de la maison. On va faire ce même passage aussi de l'autre côté de notre ouverture, à ce niveau là, très bien. Hop, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir vitrer, c'est-à-dire qu'on va utiliser les vitres, le verre tout simplement, et on va boucher les trous, c'est-à-dire que vous voyez ici, là on a une énorme baie vitrée, un énorme mur vitré même carrément, qui va venir tout ici jusque là, hop, comme ça, hop, 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 oh là là, j'arrive pas à cliquer, ok. Hop, 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 voilà. Donc là, on a notre premier mur de verre. On va en mettre un ici aussi, en laissant quand même deux blocs de hauteur pour pouvoir passer en dessous.
Pareil de l'autre côté, hein, même si de l'autre côté je pense pas qu'on ira souvent vu qu'il y a pas beaucoup de plateformes qui restent. Ici du coup on n'en met pas. On en met un ici aussi comme ça de mur tout vitré à ce niveau là. Voilà. On fait la même chose ici du coup. Hein. Hop 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 hop. On va rajouter quelques vitres à ce niveau là pour qu'on puisse passer, voyez-vous. Très bien. Très bien, très bien. Alors, bah, on a fini la maison, mais il nous faut quand même les finitions, parce que sinon, ça sera un petit peu vide. On va quand même ouvrir sur la façade. Vous voyez, ici, là, on a notre espèce de mini-port. On va ouvrir la façade à ce niveau-là pour pouvoir passer tout simplement tranquillement dans la maison sans s'embêter. Et du coup, à partir de là, on va mettre des végétations. De la végétation, quand même, un minimum. C'est-à-dire qu'on va venir utiliser... Hop, des enclumes ici comme ça, donc en anglais ça se dit anvil, ok, avec des blocs de feuilles, très bien. On va venir du coup mettre de la terre à l'intérieur, ok, de la structure de notre socle à ce niveau là pour pouvoir faire pousser des bambous, enfin c'est des cannes à sucre mais moi j'appelle ça des bambous, j'ai toujours appelé ça comme ça, hop, ok. Et on va utiliser du coup des piliers pour faire soutenir la structure sur le côté de notre maison. Alors, si je les retrouve, hein, évidemment, les piliers, ce qui serait pratique. Ok. Voilà. Alors, pour l'instant, on va mettre ça en place. Hein. Youp. Notre idée, du coup, c'est qu'on va devoir mettre des enclumes intégrées à l'intérieur de notre socle ici, parce que vous voyez, ça sera des demi-blocs. Ok, donc des demi-blocs, on peut pas poser des enclumes dessus sans que bah, elles l'évitent dans les airs, vous voyez. Donc c'est pas très pratique. L'idée c'est qu'on va venir tous les deux blocs ici comme ça, un, deux, enfin deux blocs de chaque côté plutôt de notre socle ici comme ça, plus un au milieu. Donc on va laisser 5 blocs d'écart entre chaque trou ici comme ça. Et on va venir en dessous de notre plateforme mettre des demi-blocs pour combler les trous par-dessous, vous voyez, pour avoir un demi-bloc à l'intérieur, et mettre des enclumes comme ça dedans, poum poum, très bien, et par-dessus ça, on va mettre, hop, un, deux blocs de hauteur de feuille à chaque fois, voilà, très bien. Ici, du coup, on va rajouter un trou, hop, ici, comme ça, pour avoir des bambous, de la canne à sucre. Donc on fait un trou comme ça dans le sol, donc en dessous il y a la flotte. Donc l'idée c'est qu'on va rajouter des blocs de terre ici comme ça, dans l'eau directement. Comme il y a de l'eau à côté de la terre finalement, vous voyez ici il y a la terre et juste à côté il y a de l'eau, et bien du coup il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau finalement. Et on peut faire pousser des cannes à sucre directement. Donc je vais en faire pousser un coup sur deux par exemple, hein. Pouf pouf pouf. Et on va les mettre à différentes hauteurs, chacune d'entre elles. Voilà. Très bien. Et bah du coup, on rajoute aussi du coup les cobblestone walls, donc les murets de cobble. Hop, en dessous de notre socle à ce niveau-là. Hop. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à faire l'intérieur. Mais on va rapidement aussi faire les machins comme ça, donc les panneaux solaires, c'est toujours toujours utile dans une maison moderne. On va les mettre par-dessus, vous voyez, la partie en gris ici comme ça. Hop, moi j'ai tendance à les mettre en mode nuit, hein, les panneaux solaires, c'est plus simple. Voilà, enfin c'est plus simple, c'est plus réaliste en fait. D'ailleurs il m'en manque un, paf. Voilà, donc maintenant il nous reste plus qu'à faire l'intérieur de notre maison. Mais je pense qu'honnêtement, elle est tellement petite la maison que je vais juste vous montrer comment on fait l'intérieur tout simplement parce que et voilà, ça va être très très rapide. Oui, donc vous arrivez ici, vous entrez, il n'y a pas grand chose. Vous allez sur le côté, il y a des fours, voilà, des magnifiques fours. Des coffres avec une table de crafting avec des tapis par-dessus. Et un lit orange avec des demi-blocs et des barrières pour faire une espèce de baldaquin. Voilà. Et au niveau de l'éclairage, on aura des end rods, du coup, collés au plafond avec un bloc de granit. Tu vois, un truc qui pèse bien lourd au bout du truc. Comme ça, si jamais ça casse, bah, tu te le prends sur le coin de la tronche. Et c'est magnifique. Voilà, donc j'ai rajouté une fenêtre aussi à l'arrière, visiblement.
Et donc voilà, c'est vrai que comme la maison est très petite, bah finalement la décoration elle est assez rapide à faire aussi. Voilà, mais sinon c'est une petite maison sur l'eau très sympathique, moi j'aime bien, elle est en forme de vague, elle est thématique. Voilà, tu peux garer ton bateau à côté et puis ça fait sympa, voilà, dans l'idée. Donc, sur ce, j'espère que ça t'aura plu. On peut mettre aussi du coup des vitres, des blocs lumineux, donc glowstone ou sea lantern à ce niveau-là pour éclairer le dessous de la terrasse à ce niveau-là, si tu veux. Voilà, donc je pense qu'on en a fait le tour. C'était une maison assez rapide, assez petite, sur l'eau pour être bien. Voilà, donc n'hésite pas à venir aussi sur le serveur Amberstone pour venir builder avec nous sur cette map là pour nous aider à la compléter. Même si ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'était juste un micro partie de la ville qui est énorme. Voilà, en 5-6 mois, vous avez les abonnés en sont arrivés et l'ont multiplié la taille par 10 000. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, n'hésitez pas à venir. On fait des lives aussi dessus tous les dimanches ou tous les week-ends en tout cas. Donc, n'hésitez pas à venir. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine.